Bienvenue à tous les amis, on se retrouve pour le nouveau Donjon Craft, c'est la saison 8. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un Donjon Craft. La dernière fois je crois que c'était en multijoueur. Alors écoutez, on va essayer de survivre et de ne vivre que grâce au pillage de donjons. Et comme vous voyez, il y en a 2-3. J'ai décidé de commencer quand même avec un petit coffre parce que faut bien commencer, et puis un steak d'ailleurs, et voilà. Donc voilà, alors qu'est-ce que Donjon Craft la saison, qu'est-ce que Donjon Craft, hein, on va prendre ça. Donjon Craft, eh bien, c'est ne survivre que grâce, le soleil se lève, que grâce à des donjons, au pillage des donjons. Et ok, je sais pas si je vais laisser les chefs dehors, je les ai mis pour l'instant, mais bon, on va faire un peu de bouffe. Hop hop hop, viens là la vache, ça commence. Donc, il y a plusieurs modes. Allez, tu vas me faire courir longtemps toi, merci. Il y a pas moins de 4 modes relatifs à des donjons. Donc, il y a... Hop là, hop 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 hop. Là, tic tac tac. Hop, on va se prendre un peu de bouffe. Avant, comme ça, on en aura, on sera tranquille. Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a comme mode? Il y en a plein, hein, mais je vais vous dire les 4 principaux qui sont des modes qui permettent de générer des donjons. Voilà, ça rame un petit peu. Non, ça va. Allez, reviens là. Alors, il y a, vous pouvez peut-être le remarquer grâce à l'interface sur la partie de gauche, le mode Magic Crusade qui nous permet, hop là, de donc non seulement de générer des donjons, mais de choisir une classe parmi plusieurs, chasseurs, voleurs, mages, et moi j'ai choisi guerrier. Salut la vache. Oh, tu me vois. Donc voilà, j'ai choisi guerrier. Je vais vous expliquer le mode au fur et à mesure. Hein. Ok, qu'est-ce que j'ai? Ah bah j'ai déjà un pantalon. Je sais pas pourquoi. Ça doit être à cause du mode. Je crois qu'on démarre avec quand même un panier type, malgré que j'ai tout effacé grâce à mon épisode box. Qui nous permet de savoir le temps qui nous reste pour un épisode, puisque ça va être des épisodes d'une demi-heure. Comme vous pouvez le constater, ça m'évite d'avoir un compteur. On va aller voir un petit peu là, qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai une map, hein, c'est ça la touche, oui. Ah, il y a une énorme pyramide là, on voit à gauche. Là, il y a encore un donjon ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme mode? Il y a Magic Crusade. Il y a... Oh là là, je vais peut-être pas y aller direct. Il va falloir peut-être éliminer. Normalement, on mine pas hein, dans Donjon Craft. Il y a Runic Donjon. Il va falloir passer un portail et créer un portail. Oh là là, il y en a encore là-bas. Je suis pas pressé d'être la nuit, il va falloir que je me cache. Il y a MC Donjon. Alors MC Donjon, en fait, c'est des commandes qu'on tape sous DOS. Hein, voilà. Qui permet de générer des donjons aussi. Et donc j'en ai généré 10 dans les environs. Oh putain, c'est quoi cette pyramide là-bas? Waouh. Et il y a Doom-like Donjon. Si avec tout ça on n'y arrive pas. Donc là, on dirait qu'il y a une forteresse du Nether qui s'est créée quelque part. Il y a quoi là? Putain, je commence à faire des conneries. Il n'y a rien. Bon. Ok, donc on a un peu de bouffe. On explore un petit peu les environs. J'aimerais... Ah bah il y a une maison là. On va essayer de se planquer là dans la maison pour la nuit. Parce que... on est en normal, hein, normalement. Oui, on est en normal. Le pack de ressources, c'est... je ne sais plus. Ok, va falloir explorer tout ça. Il y a déjà du monde. Tout ça, il y a des mobs spawners, il y a un monstre là, un zombie, on va se barrer. Donc j'avais vu une maison, on va aller dans la maison. Et puis ben, on va explorer un peu tous ces modes, tous ces mondes. Regardez, c'est un village carrément. Oh putain, il y a un cimetière là, ça me rassure pas.
Alors, il se peut que vu le nombre de modes que j'ai rajouté, que la map soit un petit peu pourrave, hein, dans le sens où ça a dû se chevaucher. Mais bon, on verra bien. Oh, comment il m'a fait peur, lui. Ouais, regardez, la maison, elle est un petit peu crassée. Et donc, dans tous ces endroits, il y a des... Il y a des coffres. Tiens. Dans tous ces donjons, il y a des coffres. Que l'on va aller explorer. Mais il va falloir se stuffer auparavant. Il n'y a rien dans ces trucs-là. Je sais pas s'il y a des choses. Oh putain, si. Ça commence. Putain, j'ai déjà plus de... Ah non, ça va, il m'en veut pas. Pourquoi tu t'en vas? Bon bah cool, je vais récupérer un arc. Oh, il est tout mort. Ok, donc j'ai récupéré un arc. J'ai du cuir et puis j'ai une croix, je suis bien content. J'ai encore un petit peu de bouffe. Qu'est-ce qu'on fait en des... Bon, faudrait qu'on se fasse une pioche quand même. Hein. On va aller chercher un peu de... On va se faire une table de craft quand même, les amis. On va commencer... Bah j'en ai... Non, c'est un coffre que j'ai. Hop, faut s'habituer un petit peu aux ressources pack. Je trouvais qu'il était joli celui-là. C'est pas ça du tout que je voulais faire, c'est ça. Et une table de craft. Oui, la vache. Oui, la vache. Donc. Oh là là, ça c'est une sorcière ou quoi? On va aller voir un petit peu. Je pars dans tous les sens. Des émeraudes, tu vends quoi? Des crânes du Wither, toi, carrément. T'es un ouf, toi. T'as quoi dans ta maison? Ah, bah on va pouvoir roupiller là. Téléchargement du terrain. Ah oui, alors. Quand on dort, on est téléporté aléatoirement sur la map. Ok. Lord of machin. D'accord, donc je suis bien content. Je ne sais pas du tout où je suis. Ça m'a pas l'air du tout sympa par ici. Ça fait un peu du bruit. Pourtant, le son est baissé. Joueur créatif. Mon Dieu, mais où suis-je? Oh là là là. On va retourner à la maison. Si on peut. Où suis-je? Je suis dans un bloc. Je suis bloqué. Je ne sais pas. Ah si, je suis revenu où j'étais. D'accord. C'est bon, je peux sortir de là ou pas? J'ai l'air bloqué. Ok. Waouh, c'est joli ça. D'accord, donc les lits, c'est un peu tendu quand même. Hein. Ah, mais du coup, ça fait passer la nuit. Malgré tout. Ok, on va découvrir tout ça au fur et à mesure. Ici, on arrive dehors. Là-haut, je crois que je suis déjà monté, mais c'est pas grave. Au cas où. D'accord, on découvre, on aura des choses énormes à découvrir. Et on va aller prendre un peu la bouffe. Et puis, j'étais en train de me faire une table de craft pour me faire au moins une petite épée en pierre, au minimum. Hein. Je vous rappelle que je ne dois pas miner. On va essayer de faire des échanges. Les pastèques. Hein. Ok, des émeraudes. T'avais pas un deuxième choix, toi? Oh, t'es joli avec ta barre, toi. Ok. Putain, c'est des nains. Quoi? Du combustium? Côte des pommes. J'en ai pas des machins. Ah, d'ailleurs, c'était quoi ça? Lord of Sorrow. Attends. Il va y avoir des trucs à faire. Ah merde, c'est pas en français. Il y a 7 pages. Ok, The Lord of Sorrow. Ok. Il va falloir aller le tuer de toute façon. Hein? Ok, ça fait partie d'harcèlement d'une des quêtes que l'on verra un petit peu plus tard. La pyramide est jolie. Qu'est-ce qu'on fait? On va leur piquer un petit peu du blé pour se faire du pain. Ça ramouille un peu, c'est peut-être les shaders. Waouh. C'est joli. Ouais, c'est des petits lags. On va dire qu'il y a pas mal de mods. Alors, est-ce que ça a fait passer la nuit? Je ne dirais pas. Hein. Alors, quittez pas 2 secondes. Oh, quoi, je vais voir pour ce problème de lag. A de suite.
Alors, me revoici, j'ai enlevé les shaders, j'ai enlevé l'épisode box, je pense qu'on y verra un peu mieux sans les shaders. Donc c'est quand même la nuit. Alors, j'étais en train de me faire, on va se grouiller, on était en train de se faire une table de craft, et je vais quand même aller péter un peu de pierre, avec une hache, pour me faire au minimum une petite épée. Une petite épée en pierre, parce que quoi, hein, on doit pas miner, mais quand même. Hop, voilà, on va se faire une pioche en pierre. Oh putain, d'accord, ok, ça commence. Il y a des silverfish. Donc vous voyez, j'ai pas mal d'XP en plus parce que j'ai choisi la classe guerrier, hein, pour Magic Crusade. Il faut chier. Hop là, ça commence. Wow, il y en a encore deux. Il y en a beaucoup. Eh, j'ai pété qu'une pierre, les amis. Enfin, une pierre, non, j'aurais peut-être pété deux. Bon, je voudrais m'abriter, moi, avant que... Ok. Non, il y en a encore un. Je voudrais m'abriter avant que la nuit ne tombe. Il y en a encore un. Hein. Ouais, mais il y en a encore deux, même. En plus, j'y vais à la pioche, alors je vous raconte pas. Bah là, j'y vais à la main, même. Combien il reste encore? Ouais, c'est bon, ça va spawner comme ça. Il y a un spawner. Il y a un spawner, c'est pas possible. Ok, ça commence mal. Bon, j'ai même pas le temps de me faire une épée ni rien. Ah si, j'ai quoi ça? Ah, j'ai une masse. Ok, super. Bah ouais, ça c'est les trucs, à mon avis, quand on démarre. C'est bon, c'est fini. Putain, mais il y en avait combien? J'en entends encore un. Ah oui, il est là. Bon, alors je disais, j'ai quand même un peu de pierre. Ah merde, mais c'est quoi? C'est de la pierre taillée, évidemment. Et évidemment, j'aurais dû prendre une pierre normale. Donc j'ai plus de hache déjà. J'ai une vieille masse. J'ai plus de pioche. On va recommencer une pioche. J'ai l'impression d'entendre un monstre qui arrive. Ok, évidemment. Évidemment. Oula, il a perdu sa tête. Ok, je suis level 5. Donc on va aller chercher de la... Lui, on va le prendre. Ouais, on y va à la masse, on est fou. Ok, on va aller se planquer un peu. Récupérer mon XP. On va pouvoir se faire des beaux enchantements, hein. Il y a un mode qui permet de s'enchanter un peu plus. Je sais pas si je replante. Non. Oh, c'est des carottes, ça. Des carottes ou des patates? C'est des patates. Ok. Mon dieu. Là, il y a de la pierre. Il y a un zombie là. On va pas embêter mes copains, toi, déjà. Elle est sympa, ma petite masse. Non, et... C'est toi qui fais chier. Bah... Putain, il y a de l'araignée. Ah ouais, ça y est, il y en a un qui a déjà giclé. Et commencez pas à tuer mes copains. Je voulais faire des échanges avec eux. Putain, les araignées sont chaudes. C'est bien, donnez-moi un peu de ficelle. Ok. Oula. Laisse mes copains tranquilles, toi. J'aime bien comment ils se dégomment. Il y en a un qui m'a acheté une flèche. Ok, c'est très le combat déjà. Et j'ai déjà faim. J'ai de la pomme. J'ai un petit bout de pain. On commence à l'envers. Ok. Alors, pour l'instant, les monstres sont pas trop terribles. C'est que des vulgaires zombies. Bon, tu lui fous la paix, oui. Je peux pas me planquer là. Ah ouais, on a vu que dormir c'était un peu tendu. T'es planqué, hein? Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que t'es planqué. Bon, je suis content, j'ai une petite masse là qui me servira. J'ai du bœuf cru, par contre, t'as pas du charbon, toi? Non. Ok. Je vais me faire une épée. Quoique. Alors, elle me régène du mana, mais je m'en fous. Elle. Plus 14 de charity, je ne sais pas. Il y avait un truc que je vais vous les montrer. Épée. C'est. Je suis déjà level 6. Donc, étant donné que je suis un champion, un guerrier en fait, hein, j'ai de la charge en plus. Ça me permet de faire de la charge. Le player devient... D'accord, ouais, ça c'est des trucs qu'on peut avoir. Ok, au fur et à mesure. Ah, je crois qu'on peut le...
il faut, ça coûte 140. Ok. Il faut récupérer des points. Hein. Alors, je sais plus trop comment. Faudra que je revérifie. Là, c'est des levels. Et ça coûte 200. Et ça dit, ça coûte quoi? Du mana, du magic power, je crois. Hein, puisque là, requiert 100, coûte 140. Je ne sais pas comment on fait pour acheter ce truc-là. Je ne sais plus. Faudra que je vérifie. Bon, on va les buter du zonzon parce que. On va pas rester là à rien faire. Oh, il est beau. Je récupère des flèches. Ah, mais vous êtes nombreux, les amis, quand même. Alors, il fait clair parce que. Il fait pas trop. Parce que j'ai rajouté de la luminosité. Il a plus de tête, il continue à se battre. Ah, bah là, carrément, lui. Ouais, Silverfish, fallait s'en douter. J'aime bien les Silverfish. Oups là, lui je l'aime moins. Oh non, c'est les Silverfish ça. Bon, quand même surveiller la vie. Je suis peut-être level 8, mais. J'ai pas de protection, j'y vais comme ça. Moi. T'as fini de m'embêter toi? T'as perdu un bras. Y'avait quoi ici? Ah ouais, y'avait du monde. D'accord. Oh là là, je vais crever. Ok, on va se barrer. Putain, il a perdu sa tête lui. Waouh. Putain, on peut pas se planquer là-dedans. Parce que là. Ouais, je suis déjà mort, mais c'est pas grave. Normalement. Je perds pas mon inventaire, oui. Oui, j'ai mis le keep inventory parce que. Parce que sinon c'est un peu pénible de tout recommencer à zéro. Ok, donc le village c'est un peu tendu du string, hein, les amis. Et je suis mort là-bas. Bon, on va y retourner. Je sais pas ce qu'il y a dans ces ruines, mais bon. On n'a pas récupéré grand-chose pour l'instant. Et je vois pas du tout où j'en suis au niveau temps. Parce que, voilà. Ok. Donc j'en étais à... ok, 8, 8, 16. Ok, ça fait un petit quart d'heure, on a encore un petit quart d'heure ensemble, hein, ça va. Oh, regardez, il est beau celui-là, il a un beau casque. Putain, il me touche quand même. Vous pouvez pas me laisser un... Ah, mais oui, il perd l'or. Ah, mais non, il y a une araignée qui me casse les pieds, d'accord. Oh, putain. Il me laisse pas un peu des loot, là? Des trucs sympas. Rien d'intéressant, hein, de la chair putréfiée. Un œil d'araignée, on va pouvoir faire plein de trucs. Ah, si, un petit plastron en or. Mais que rien. Ok. Ouh là là là. Donc bah voilà, hein, c'est les premiers jours, c'est le début. On va aller voir un peu dans cette tour. Ah dommage, j'ai pas vu la gueule du creeper. J'aurais dû voir à quoi il ressemblait. Par contre, eux, ils me font chier. Ils m'embêtent les silverfish, les poissons d'argent en français. Pas rigolo. D'accord. Et ça, ça sert. Quoi? Bon, oui. Ah non, encore, il y en a pas mal, hein. Il y en a un peu trop, même. Bon, non, ça va, on les two-shot, mais bon. Il n'y avait pas du charbon, un petit peu, par ici. Non, je voudrais faire cuire, mais... Putain, ils sont chiants, hein. Fini, oui. Il y en a combien? Ah, fais voir la gueule du creeper. Oh, t'es mimi. Ok. Tu m'as pas lâché du charbon? Mais c'est pas possible, il y en a combien des silverfish, quoi? Eh, mais ça spawn carrément, il doit avoir des... À mon avis, il y a des... comment dirais-je? Ouais. Il y a des spawners à Silverfish, c'est pas possible dans ces ruines. Ok. Je suis level 9 et regardez, j'avance au niveau à gauche là sur les paramètres. Il faudra que je vérifie parce que j'ai pas eu le temps de tout lire. J'avais envie de commencer. Ils sont jolis les blocs. Ça y est, le jour se lève! C'est joli. Va falloir y aller, hein.
Enfin, on va pas y aller tout de suite, on va se préparer tranquillement, hein. Il va falloir se faire du stuff un petit peu, en faire. Le plus difficile, c'est de démarrer. Ah bah on voit bien sous l'eau, on voit même mieux qu'en haut. Est-ce que j'ai besoin de canne à sucre? Non. Ah non. Par contre, un truc dont j'ai besoin, ça c'est sûr, c'est un truc dont j'ai besoin, c'est est-ce que j'ai récupéré beaucoup de peau? Oui, 14. Je vais faire ça de suite, c'est un backpack parce que je me connais. Je vais avoir énormément de choses à ranger. Et si j'ai pas mon sac à dos, moi, je suis un peu perdu. Voilà, tiens, on va planter une tombe. Ok. Je vais récupérer ça. Putain, elle est bientôt morte. Ah, j'en ai récupéré une deuxième. Une vieille masse. Est-ce que on pourrait. Elle est neuve celle-là. Hein, ouais. C'est bien, on récupère un petit peu des loot. Vilsius Helmet, tiens. Ça donne 16 de force et 16 de stamina. Ok, nickel. C'est bien, on récupère 2-3 bricoles. Je crois que c'est R pour ranger l'inventaire. Nickel. Bon, à quoi je ressemble avec tout ça, moi? Ah, je suis pas mal, j'ai un petit casque. Nickel, on va se récupérer ça à la main. Ouais, sans miner, on a déjà 2-3 bricoles. J'aimerais bien jeter un œil à cette tour. Par contre, faut manger quand même, hein. Pommes de terre. Il faudrait que j'ai des trucs pour faire cuire. J'ai des graines, je les ai pas replantées. Comment ça se fait que j'ai du pain? En enlevant le blé, j'ai déjà du pain ou quoi? C'est vrai, hein? Ça va être le mode qui fait ça. Oh, les belles fleurs. C'est quoi comme fleur, ça? La houstonie. On peut pas faire quelque chose avec la houstonie. Ah non, ça c'est le groupe. Je sais pas pourquoi ils m'embêtent avec ces groupes-là. Quelle touche ai-je mis? Celle-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de la houstonie? On peut faire de la teinture. Ouais, on s'en fout alors. Ok, ça sert à rien. On va pas commencer à teindre. Ah oui, donc là c'est un donjon. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on va pas y aller, on va déjà aller voir là-haut. C'est le premier épisode, hein, on y va tranquillou. Oui, on va grimper déjà, voir s'il n'y a pas un petit. Oh, regardez, il y en a un là. Un petit coffre de cachet. Oh bah, on faudra que je lise tout ça. Ah bah voilà, regardez, une petite hache, une petite pelle, une petite pioche, un petit peu de pain. Oh la tombe of perfect bestus. Alors je sais pas de quel mode il est, hein, celui-là, parce que à mon avis, c'est le MC donjon celui-là. Une boussole, je m'en fous. Ça oui, je prends. Les torches, je prends. Bah du blé alors du coup, parce que je vais me refaire du pain. Des trucs en cuir, on s'en fout un peu quoi. À moins qu'il manque des godasses. Allez, on va prendre des godasses. Voilà. Et d'après ce que je sais maintenant, si je fais clic droit, ça m'équipe. Yes, ça fait longtemps que j'ai cherché comment on faisait pour s'équiper. Voilà, bon, je pense que on va lire un peu ça. On va un petit peu dans tous les sens, hein, c'est normal. Oh là, c'est quoi ça? Level 1. What? C'est quoi ce bouquin? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il dit? Cell combination. Ok, cell, c'est. Ouais. C'est la combinaison d'un truc. Ok. On va continuer à regarder, il n'y a pas de. Il y a quelqu'un? Ah non, c'est un arbre. Ok, on a trouvé la combinaison. De quoi? Je ne sais pas. Mais on a trouvé une combinaison. On va aller quand même tout là-haut. Je vais éviter de péter les murs parce que on a vu que les silverfish étaient de la partie. On a une belle vue, hein. On peut zoomer. Oui, on n'en voit rien. La pyramide, ça va être tendu à faire. Je vais retourner là-bas, me chercher. On a vu qu'on dirait que quand je prenais le blé, ça faisait du pain. Voilà, voilà. Et sur la map. Ah oui, d'accord, il y a carrément deux pyramides. Il y a ça, c'est là. Il y a encore une pyramide, non? Là, il y en a encore un là, ici. Et ça, c'est où je suis mort. On peut le supprimer. Ok. Putain. Et ça fait pas encore partie des donjons de Magic Crusade.
Magic Crusade, il faudra bien que je l'examine pour vous dire à quoi servent tous les levels, etc. Que j'ai. Vous voyez l'interface qu'il y a. Ah, voilà, de toute façon, c'est le premier épisode. Hein, c'est profond, ça. On va jeter un petit œil là, tant que c'est le jour. Ok. On va un peu plus vite en même temps. Alors, est-ce qu'il y a du monde là-dedans? Faut pas oublier d'éclairer parce que moi, c'est vrai que. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Donc, j'ai. Je crois que j'avais déjà. Je m'embête avec sa boussole. Une épée en pierre en même temps. Et on va jeter ça. On va jeter ça. Ça, les dalles, on s'en fout. Ça aussi. On garde la pioche au cas où, bien que. Bien que, bien que. Bon. Eh ben écoutez, on va commencer à ranger. On va se faire un peu de pain tant qu'il n'y a personne. Là. Voilà. Ça fait un peu de place. Ah, c'était ça. Oh putain, regardez. Ouah, d'accord. On a le plan. Est-ce que c'est où on est? Serait-ce le plan de notre... de où nous sommes? Ah, le petit point bleu, là. Le petit point en bas à gauche, je pense, non? Je sais pas, je vais aller là. On va voir. Ça n'a pas l'air de bouger, quoique... Quoique, quoique... On va essayer de voir si je vais par là. Là, on va se faire avoir comme un bleu. Et non, on va pas se faire avoir. Ok. Oh putain. Et donc, est-ce que le petit point a bougé? Non. Je ne vois pas où je suis localisé sur la map. Mais bon. Je ne sais pas de quel donjon cela ça fait. Ceci fait partie. On va essayer de faire attention. Salut la chauve-souris. Je sais pas, je me localise pas. Alors je sais pas si c'est celui-là. Mais bon. De toute façon, on n'est pas prêt. On a la masse là quand même. Quoi qu'elle fait quoi? Je sais pas, je comprends pas trop les dégâts qu'elle fait, mais bon. Moi je vais m'organiser. Ça, c'est la combi. Maison, l'ordre machin, on verra après. On va ranger un peu tout ça. On va jeter des trucs. Il faudra qu'on jette des trucs. Il faudrait qu'on mette des trucs dans le backpack quand même, les amis. Oh, bah, ça va, les pioches, c'est pas ce qui va manquer. Je vais m'en garder une sur moi. Les flèches, c'est pareil. On a un arc. On va se garder une petite pelle au cas où. Le bœuf, il est cru. Par contre, il faudrait de la bouffe. Hein. Bon, j'ai du pain. Na. Ok. Allez. On va avancer un peu. Hein, C'est un labyrinthe, les amis. On est dans un labyrinthe. Donc on est arrivé là. On est arrivé d'ici. Moi, ce que je ferais bien, c'est de me mettre un... est-ce qu'on peut mettre un waypoint comme ça? Un clic droit. Sorti. Je sais pas si on voit, mais bon. Ah, mais attendez, il n'y a pas le truc... on s'en fout. C'est peut-être la sortie, mais il n'y a pas une vue qui permet de dire que c'est une grotte. Je regarde un petit peu. Il n'y a pas un truc grotte quelque chose, non? Peut-être. Hein. Je pense qu'il y a un mode grotte. Alors, allez, je m'en fous. Dimension. Help, voilà. Non, il n'y a pas un... Underground map mode, ouais, voilà. Voilà. Je le savais. Non, c'est histoire de s'y retrouver. Hein. Ok, donc on était passé là. On est arrivé là. Ok, on a fait le tour ici. On attend du monde. Je ne sais pas où ils sont. En fait, on est parti directement dans un labyrinthe alors que... On n'est absolument pas stuffé. Absolument pas prêt. Mais c'est pas grave. C'est histoire de commencer la partie. Ça fait déjà... oui, c'est bientôt... Oh, il y a des champis. De toute façon, on va bientôt... Oh là, me fait peur. Rien qu'elle, déjà, une chauve-souris, ça me fait peur. Quoi.
Ok, on a fait le tour. Donc c'est par là, il y avait une porte. Ouais, je sais. Ouais. Non, c'est pas là. Putain, je suis déjà perdu. Ah ouais, moi dans un labyrinthe, c'est bon quoi. C'était là à droite. C'est pas piégé, non. Oh putain. Non, 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 je me ferai pas avoir. On va même y aller en shiftant. Oh putain, la preuve. Allez, allez, Silverfish, en veux-tu, en voilà. Oulala, 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 mais pourquoi ça pète ça là? Mais Silverfish, c'est un peu trop abusé. Fini, oui. Ah là, mais j'ai pété pas mal de trucs là. Putain, mais ils sont chiants ces Silverfish. Quoi? J'ai débloqué le bouclier de je sais pas quoi. J'ai pas eu le temps de lire avec eux là. Je vais crever avec ces conneries. Oui, oui. On dirait qu'ils se multiplient, c'est pas possible. Bah. Oh là là là, regardez les murs, ils se pètent. Tout seul. Je me barre. Si je crève ici, je suis pas dans la merde. Ah ouais, d'accord, ça a bien pété des trucs, quoi. What? Épique. On va se faire de la bouffe, hein. De toute façon, on n'a pas le droit de miner. Enfin, normalement, on n'a pas trop le droit de miner, ni... dans les donjons craft, hein, la règle, hein, on mine pas, on fait pas d'agriculture, on construit pas, on construit rien, on survit. On combat, et on visite des donjons. Par contre, les silverfish tendus du string, hein, les mecs. Hein. Ah. Qu'est-ce que ça donne, ça? Est-ce que ça ressemble à la map? Oui, hein, regardez. Oui, 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 ça ressemble à ça. Ouais, on est là. Je montre avec mon doigt, mais vous risquez pas de voir. Ok, bah, on va aller visiter ça. Quoique, par contre, au niveau stuff, on a rien, quoi. On n'a même pas de plastron. Par contre, on a récupéré une porte en bois. Ça, c'est cool. J'ai une porte, les amis. Qu'est-ce que j'en fais? Voilà. On va la laisser là. Qu'est-ce qu'on fait? On va s'installer quelque part. On se fait un petit coffre ou quelle heure il est? Oui, on va se laisser là. Par contre, c'est piégé. Waouh, waouh, waouh. Porte en fer. Tiens, il y avait une histoire de combinaison avec la clé. Il y a des dalles. Ça ressemble pas au truc. Ah, il y a un mot. Cell bloc 11. Et là, ça disait quoi là-dedans? C'était celui-là, hein. Cell combinaison. Quel rapport? Ça, c'est la 11. Je vois pas le rapport. Machin, machin. On verra, hein. Il doit avoir un truc, un système pour ouvrir les portes. Oh, bonjour. Ah non, pas les silverfish. Ça, c'est trop chiant. Oh merde. Ah, mais ma masse qui pète les murs aussi. Ah bah non, c'est eux. Ah, j'ai perdu un pantalon. J'ai trouvé un pantalon. Il y a un pantalon qui est tombé là-bas. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah, c'est... Oh non, encore vous. Et en même temps... En même temps, ça voulait... C'est eux, hein, c'est pas moi. Hein. C'est eux qui pètent les murs. Ah oui, ou alors c'est moi qui tape les murs. Non, c'est eux. Hein. Oh là là, c'est tendu là, tous les silverfish. Pour l'instant, on n'aura pas battu... Oh là là, on n'aura pas battu beaucoup de zombies ni tout ça, mais à chaque fois c'est les silverfish. Heureusement que j'ai quand même ma masse qui est plutôt pas mal. Mais ça c'est pénible. Voilà, mais c'est bon quoi. Allez, je me barre de là. Oh bonjour. Là, il y a du monde ici. Ah bah oui, d'accord. Je vais faire ça avec ça.
ça ira plus vite. Les silverfish, vous me pétez les baboules. Hein. Normalement, il y en a un là. Ouais, bah c'est bon, on va jouer à l'arc si tu veux. Quoi? Ah oui, j'ai un mode qui permet d'avoir des arcs cheatés, je crois quoi. Faut que je configure les touches. Allez, barrez-vous les silver. Oula, va falloir manger les amis. Beaucoup de life, hein. J'ai pas des potions de régène là. Oh, j'ai un beau pantalon. Ah, j'ai de l'endurance. 42 dans le machin, 36 et 20. On va prendre celui-là, il a l'air mieux. Et là, j'ai des chaussures. Par contre, j'ai toujours pas de plastron. J'ai ma vieille masse. Toujours la même. Ah, mais si j'en ai un plastron. Magic Shape Plate. Oh, il est beau celui-là. 26 d'endurance, 19 de clarté, machin, etc. Bon. Ah, bah voilà. Ça y est, ils sont en train de s'entasser eux. J'ai entendu un Enderman. J'attends de régène avant de leur péter la gueule à eux. On va ranger 2-3 conneries. Voilà. On va garder, on verra peut-être, on va s'en servir de tout ça. Oh, ben j'avais encore un pantalon. Des os, ça on va garder. Une épée en pierre, 5 points d'attaque, je vais pas aller loin. Mais tout ça, on va ranger. Là. Il me reste encore quelques pains. Allez, on fera le tri plus tard. Je regarde un peu le pantalon. Est-ce que j'avais pas besoin d'un pantalon, moi? 42 d'endurance et 26 de trucs. Conjuring. Faudrait que je... Ah, magique. Faudrait que je sache un peu à quoi ça correspond. Bon, vous me lâchez que je puisse passer. Ça va me saouler. Putain, mais oui. Oh là, d'accord. Ah bah il y avait. Ok. Oh, j'ai récupéré quoi? Conjuring helmet. Ça se met pas là-dedans, ça. Faut que je regarde à quoi ça sert tous ces machins. Helmet, c'est un 16 force. Ça c'est de l'endurance. Ça a l'air d'être de se mettre là-dessus. Ok, il faut voir la tête que j'ai avec ça. F5, F1. Ouais, je suis beau. Eh ben écoutez les amis, on va se laisser là parce que mine de rien, ça fait déjà un petit moment qu'on a commencé ce premier épisode. Donc bah, vous avez vu un petit peu à quoi ressemblent les donjons craft, hein, la saison 8. On va explorer comme ça la mode YOLO des donjons, on va se stuffer au fur et à mesure, comme ça on explore des modes. On va découvrir des crafts, on va découvrir des entités à tuer, etc. etc. Je vous rappelle, il y a 4 modes qui génèrent des donjons, Magic Crusade, Runique Donjon, MC Donjon et Doomlike Donjon. Et plein d'autres modes, mais vous aurez la liste de tous ces modes dans la description. Voilà les amis, je vous laisse, j'espère que l'épisode vous a plu et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.